Bonjour à tous, donc, je suis Babarette et je souhaite la bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, une vidéo pas tout à fait comme les autres parce que j'ouvre un swap entre bibliothécaires, donc c'est pas avec un autre youtubeur et une autre youtubeuse, c'est avec une bibliothécaire rencontrée sur Facebook. Alors, normalement là-dedans il y a des livres et des trucs à manger. Alors, je vous montre le petit colis, voilà, Happy Swap, certifié bio ou presque, miam, et un peu de douceur pour ton nouveau poste, parce que, très bonne nouvelle, j'étais en recherche de poste et je vais faire un remplacement pas très loin de chez moi en tant que bibliothécaire, youpi, donc je vais être bibliothécaire pour de vrai, et pas seulement de formation, voilà. Eh bien, c'est parti pour ouvrir ce petit swap. J'ai pris mon petit... j'utilise un économe pour ouvrir un colis. Voilà, c'est pratique. Ça coupe, hein. C'est tendu. Allez. Mais, voilà. Bing. D'habitude, je crée, voilà, pas de problème. Nous avons été coupés par l'irruption d'une fenêtre pop-up sauvage sur mon ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Plein de choses! Mais je suis gâtée! Oh là là! Une petite carte! Je vais faire une pause et commencer par lire la carte. Voilà, une gentille carte. Qui me dit que je vais avoir plein de jolis cadeaux. Ça, c'est un crayon à planter. Voilà, on écrit, et puis quand le crayon est fini, on plante le bout du crayon, et on va avoir des fleurs, des jolies pousses. Trop bien. Oh. Une petite pince avec une chouette. J'adore les chouettes. Du chocolat. Du chocolat vegan en plus. C'est trop joli. C'est une déco de sapin, j'imagine ça. Oh, ça me sait. C'est du thé. C'est du thé. Du thé blanc, fruits rouges. Feuilles de bambou et tout. Voilà. Ah non, mais j'avais pas assez de thé, voyons. Hein. Je sais pas quoi, combien de sacs chez Jordan, mais de toute façon, le thé me fait toujours plaisir. Et en plus, j'ai pas beaucoup de thé blanc. Donc c'est bien, ça me changera un peu. Ok. Un petit tissu avec des poissons pour emballer. On voit rien. Ici, on voit strictement rien. C'est un aimant sur lequel il y a écrit « La vie est trop courte, commençons par le dessert » que je vais mettre sur mon frigo dès que j'aurai fini cette vidéo. Ici. Oh, trop chou! Ah, ça se mange en plus. Un pingouin en chocolat. Je pense que c'est pas tout à fait vegan. Mais c'est pas grave. Je vais le garder quelques temps. Et puis, je verrai si je le partage avec quelqu'un. Ou moi, je mangerai le côté noir. Et je mangerai le côté blanc. C'est embêtant, ce genre de truc. Parce qu'on n'ose pas les manger. C'est trop chou. Et...
ce qui correspond au thème de ma chaîne, n'est-ce pas? Le livre. Dans une pochette à livre. Et ça, ça va me servir, parce que je vais la réutiliser. Et quel est ce livre? Attention. Ah, Sylvain Prudhomme, Les Grands. Eh bien, j'ai jamais lu de Sylvain Prudhomme. Voilà. Avec en plus un petit marque-page. Oh là 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 là! Ça a l'air trop bien! Alors, ça te parle de quoi? Ça leur était tombé dessus, ils avaient eu ça. La vie leur avait donné cette chose dont tous les musiciens rêvent. Que pouvait bien leur foutre tout le reste? Guinée-Bissau 2012, guitariste du Mama Jumbo, un groupe fameux de la fin des années 70, couteau vif expédient. Alors qu'un coup d'état se prépare, il apprend la mort du Dolce, de Dolce la chanteuse. Le soir tombe sur la capitale, les rues bruissent, couteau déambule. Dans ses pensées, 30 ans défilent, souvenir d'une femme aimée, de la guérilla contre les Portugais, mais aussi des années fastes d'un groupe qui joua une musique neuve, portée par l'élan de la fierté d'un pays. Au cœur de la ville où l'on continue de s'affairer, indifférent au premier coup de feu qui éclate, Couteau et d'autres anciens du groupe ont rendez-vous, ce soir de concert, au Chirin Guto. Eh ben, ok, eh ben, et enfin, un autre marque-page avec une licorne. Trop bien. Ouais, et alors, donc apparemment, Sylvain Prudhomme parle pas mal de... Enfin, donc c'est une œuvre littéraire ouverte sur le monde. Il a beaucoup vécu en Afrique. D'où le fait qu'il nous parle de l'Afrique, hein, c'est bien. C'est bien d'avoir des auteurs qui s'y connaissent sur le pays sur lequel ils écrivent. Ou qui ont vécu dans le pays dont ils parlent dans leurs bouquins. Ça peut éviter de lire des grosses conneries. Et ben voilà, c'était une toute petite vidéo. Mais c'est bien les petites vidéos aussi, hein, parce que ça permet d'avoir un expresso à emporter, s'il vous plaît. C'est la première fois que je fais un swap sur ma chaîne. Si vous avez aimé, ben, vous mettre un petit pouce bleu et me dire en commentaire « Hey, refais des swaps !» Ce que je ferai volontiers si je trouve des gens avec qui swapper. Ce terme n'existe pas, je viens de l'inventer, mais c'est pas grave, on s'en fiche, la langue évolue. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien un petit pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, c'est pas grave. Si c'est pour des détails techniques, je veux bien que vous le disiez en commentaire pour que je m'améliore pour la prochaine fois. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur des lectures, cette fois-ci. Je reviendrai aux lectures et sans doute à des sujets comme... Qu'est-ce que c'est qu'une journée de bibliothécaire et aussi qu'est-ce que c'est qu'une journée de libraire, parce que je suis également bénévole en librairie, donc je connais aussi le milieu de librairie. Toutefois, si vous voulez des infos sur ce que c'est qu'être libraire, je vous conseille la vidéo sur le sujet de Margot Liseuse, parce que elle, c'est son vrai métier. Notre librairie, elle est un peu bordélique. Mais voilà, donc voilà. Il y aura sans doute des vidéos sur le sujet aussi, parce que Babarette, bibliobraire, ça veut dire bibliothécaire et libraire. Et bien, à bientôt! Bonne journée!